Fonce tout de suite vers le site du crash. Vas-y. Trouve la boîte mère. Le serveur. Le truc, c'est que je suis pas vraiment inifugé. C'est beaucoup trop chaud pour le moment. Il est renforcé contre les radiations, alors. Ennemis sur la gauche, repoussez-les. Restez... près du satellite. Empêchez ces enfoirés de lui tirer dessus. Lance-roquette sur le toit. Ne laissez pas démolir le satellite. Ils l'ont touché! Empêchez-les! Je dois recharger! Je peux pas m'en sortir tout seul! Lance-roquette sur le toit! Butez-les! C'est bon! Ils attaquent par la droite! Venez par ici! Lance-roquette sur le toit! Ils l'ont encore touché, merde! S'ils détruisent le satellite, on l'a vraiment dans le cul. Ils l'ont encore touché, merde! Je cible mes ennemis! Ils l'ont bloqué! Ouvrez la lance-roquette et abattez-moi ce truc-là! Ils l'ont encore touché, merde! Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Je crois que c'est bon. Dommage que le temps se gâte. Allez, finissons. Une tempête se prépare. Vous deux, trouvez la boîte noire. Et nous, on va essayer de récupérer un véhicule. On ferait mieux d'appeler le sergent. Je reviens tout de suite. Me tire pas dessus, Luigi.
Sweetwater! Sweet! Et merde! Marlowe, écoute! J'ai largué des fusées pour te montrer la voie. Ça devrait t'aider. Marlowe, ici Bravo de Alpha, réponds. T'es où? On cherche Haggard. Flynn ne répond plus. Écoute, si tu m'entends, tu vas devoir te mettre à l'abri, vite. Les Russes sont partout sur cette montagne, ils ont installé des refuges. Trouve un moyen de te réchauffer. Et surtout, ne traîne pas dehors trop longtemps. Ou t'es sûr de crever de froid. Tiens bon. Pas si tu m'entends, mais si tu veux survivre, mets-toi au chaud, fais du feu. Прием.
Ah!
content de te revoir, mon petit gars. Accroche-toi. Mais est-ce que c'est une arme scalaire? Ça a de la gueule, hein. Mais c'est impossible. T'as jamais entendu parler de l'opération Aurore? Si, bien sûr, mais même si on pouvait vraiment générer un champ scalaire... Ça créerait d'abord une énorme perturbation dans la troposphère. Stop. En français. Une arme scalaire génère de très puissantes impulsions électromagnétiques. Et alors? Alors, il leur suffit de l'activer au bon endroit pour couper le jus et plonger les États-Unis dans le chaos. Et si les troupes russes décident de nous envahir à ce moment-là, c'est fini. On a intérêt à retrouver ce type. Arkady Kirilenko. Merde. Ce serait pas le mec que t'as laissé filer? Il joue un rôle dans ce projet? C'est lui le cerveau. Et si on veut l'avoir, on doit partir tout de suite. Je dois d'abord informer Bradwood. Non. Si on le prévient, il va envoyer les forces spéciales, des tocards obsédés par leur gadget alors que c'est à nous de le faire. Sergent? Écoutez, j'ai 44 piges. Je passe mon temps à vous surveiller comme des mômes. Et ma carrière va dans le mur. C'était ma dernière mission, bordel. J'ai plus envie de me battre. Je veux plus. Même pour sauver les États-Unis? Et après? C'est tout. D'accord, donc t'en es? Bah, c'est ma faute si ce salaud respire encore. Sweet? Laissez-moi réfléchir, oui! Regarde. Je suis trop jeune pour la retraite. Et le Texas a besoin d'un sauveur. Alors, ok. Alors, c'est décidé. Vous allez prendre un blindé dans la zone pour pouvoir atteindre Kirilenko. C'est la seule solution.